Et c'est l'heure du Smart Portfolio avec notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Aujourd'hui, vous allez nous parler de private equity. Oui, effectivement. Nous avons mis en place un nouveau portefeuille d'investissement, les Smart Portfolios, comme nous les intitulons sur eToro. Ce Smart Portfolio s'appelle Private Equity. Alors, Private Equity, qu'est-ce que c'est? En français, c'est le capital investissement, c'est-à-dire toutes les sociétés qui investissent, qui prennent des participations en fait, dans le capital de sociétés non cotées. En fait, le private equity, c'est tout ce qui est lié au non coté. Alors, il y a justement de ces sociétés qui investissent dans le non coté. Vous avez peut-être entendu parler de Blackstone, alors en France, on a Eurazeo ou encore Wendel. Voilà, ce sont des sociétés donc, qui, elles, sont cotées pour le coup, cotées en bourse, mais qui prennent des participations dans des sociétés qui ont un fort potentiel de croissance pour les aider justement à se développer, à financer leur croissance externe, pourquoi pas, leur développement, etc. Alors, ce portefeuille, donc si on regarde la composition de ce Smart Portfolio, nous avons donc 16 sociétés, 16 entreprises. Donc, la plus forte pondération est pour Blackstone. Vous avez également KKR, qui est représenté à quasiment 9%, Carlyle aussi, qui est très connu, Apollo Global Management aussi aux États-Unis. Et en France, comme je vous l'avais dit, on a donc Eurazeo ici et Wendel qui ont des pondérations un peu moins importantes du fait de leur faible, enfin plus faible taille forcément que les big US. Donc, c'est un portefeuille, comme je le disais, avec, composé de 16 entreprises. Si on regarde les performances des statistiques, alors, étant donné, alors lorsqu'il y a un petit astérix, cela veut dire, et donc c'est grisé d'ailleurs, cela veut dire que le portefeuille n'avait pas été lancé, donc il a été lancé au mois de juillet. Donc, ça a été plutôt une bonne chose puisqu'il a pris 16% en juillet. Mais effectivement, quand on regarde la performance annuelle, effectivement, elle est corrélé au marché boursier, au marché action, car on est sur une baisse de 26%, ce qui est à peu près dans la même veine du Nasdaq, hein, qui perd 29% depuis le début de l'année. Mais lorsqu'on regarde et lorsqu'on se penche sur les performances des années précédentes, on voit que, par exemple en 2021, on avait une performance de 64%. Donc c'est un portefeuille qui est quand même assez volatile. D'ailleurs, son indicateur de risque est de 6, hein, donc c'est un portefeuille qui a un certain niveau de risque, hein, sur une échelle de 1 à 10, on est plutôt au-dessus de la moyenne. Pour finir, on voit qu'aujourd'hui, il y a 283 investisseurs donc eToro, qui sont inscrits sur eToro, qui ont investi sur ce portefeuille, sachant que le ticket d'entrée, et ça c'est pour tous nos portefeuilles d'investissement, est très bas, puisqu'il est de 500 $. Donc pour investir sur un portefeuille thématique, vous n'avez besoin que d'investir entre guillemets que 500 $. Comparé par exemple à la gestion, aux sociétés de gestion où les tickets d'entrée sont en général entre 20, 30 000 ou 50 000 euros, on voit qu'on est quand même sur un ticket d'entrée qui est beaucoup plus inférieur que la moyenne des boîtes de gestion. Donc, bref, tout ça pour dire que donc, Private Equity, c'est un des derniers portefeuilles que nous avons mis en place sur la plateforme et qui présente dans un potentiel, effectivement, dans une idée de rebond des marchés et de tendance haussière sur les marchés, un potentiel important.